Positif. Alors, partagez le direct. Merci. Oh. Je suis vraiment sexy. Oh. Merci. Oh. Partagez, oh, partagez le live. Ok.
Bonsoir, Amin Hashim. Bonsoir, Epadino. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live dans les groupes, je vous en prie. Bibi, je suis en direct. Tu n'es pas en retard, je n'ai même pas encore commencé. J'attends que tu fasses 50 partages dans chaque groupe. Je suis là. Je suis là. Partagez le live alors. Partagez dans les groupes. Oui, partagez dans les groupes. Bibi, comment tu vas? Envoyez les cœurs pour sécuriser le direct. Merci, envoyez les cœurs pour sécuriser le direct. Partagez dans les groupes. Bonsoir, Sylventis, comment tu vas? Envoyez les cœurs, vous partagez le direct dans les groupes. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Faites maximum de partage. Ah bon, tu as partagé dans combien de groupes, Bibi? Tu as partagé dans combien de groupes? Partagez Oui, je parle de décapage. Comment tu vas, Guy Branco? Tu m'as abandonné. Aïe! On peut abandonner son ami comme ça. Comment tu vas? Depuis qu'on a piraté mes deux pages, tu ne m'as même pas salué, tu ne m'as même pas consolé. Hein, chérie? Tu ne m'as même pas consolé. Je parle du décapage. Partage mon live alors. Partage dans les groupes. Tu tagues les gens. Partagez dans les groupes. Merci. Le lâche. Ok.
Bibi, tu as partagé dans combien de groupes? À toi, je fais honneur. Le sujet là, c'est ton sujet. Branco, comment tu vas? Pourquoi tu es calme comme ça? Pourquoi tu es calme comme ça? C'est quoi? Tu me dis rien. Guy, c'est comment tu me réponds pas? Ok, vous partez. Si on parlait du sexe, tout le monde allait être là. C'est que si même s'il y a 5 personnes, je vais parler. Vous aimez bien quand on parle du sexe. Bibi fait 50 partages dans 50 groupes. Salut Aboubacar, Kony, Bangoura, comment tu vas? Je t'aime mon cœur. Envoyez les cœurs, envoyez fait les partages dans 50 dans les groupes. Lily? Moi, je t'écoute. Je vais parler, bébé, je vais parler. J'attends qu'un maximum de personnes se connectent. Envoyez les cœurs. Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps, j'ai pas publié sur Facebook. Maintenant, je suis là. Je suis là. J'espère que vous vous portez bien. Mes prestigieux camemberts, ça va? Vous mettez Dieu au centre de tout ce que vous faites. Vous invoquez le Saint-Esprit, car avec Dieu, le mot impossible n'existe pas. Tout ce qu'on fait, c'est parce que Dieu veut, c'est grâce à Dieu, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Dieu seul élève. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de parler du décapage, d'éclaircissement de la peau, de encore appelé le njansan, communément appelé le njansan, vulgairement appelé le njansan.
Parce que j'ai une de mes followers qui m'a contactée. Elle m'a dit, écoute, je me suis décapée. Et du coup, les gens trouvent que soit les femmes qui se décapent dégagent les odeurs, soit les femmes qui se décapent ont moins de valeur, soit elles sont considérées comme des sous-femmes, soit les femmes qui se décapent n'ont pas de place dans la société parce qu'elles trouvent qu'elles veulent aller à l'encontre de ce que Dieu a décidé. Oui, pose les questions. Tu peux déjà poser les questions. Posez-moi tout genre de questions. En faisant juste les partages. Posez les questions, il n'y a pas de souci. Si j'ai donné une recette quelque part et que vous n'avez pas bien pigé, vous posez les questions, je réponds. Il n'y a pas de problème. Je fais le live aujourd'hui sur la page de la Minute de Sylvie. Mercredi, je ferai un live sur la page de SN Prestige Sexologue. La nouvelle page de SN Prestige Sexologue. Et tous les jours, je fais les directs sur TikTok. Les directs sur TikTok, c'est tous les jours. Sur TikTok, je suis là-bas tous les jours. Tout ce que vous avez à faire, c'est de partager massivement mes vidéos. Vous pouvez poser autant de questions que vous voulez. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas, comment agrandir son pénis? J'ai dit ça là-bas sur TikTok aujourd'hui. Utilisez l'huile d'olive. Huile d'olive, vous pour tirer le gel d'aloe vera pour tirer. Et vous faites un mélange de bitacola et de beurre de karité aussi. Vous mettez dans le mixeur. Ça devient la pâte. Et vous faites vous tirez en faisant des massages circulaires et en allongeant aussi votre pénis. Je crois que vous êtes satisfait. Le live de mercredi, je ferai un live mercredi sur la page de SN Prestige Sexologue pour parler de ça. Donc, je vous ai déjà dit, envoyez les cœurs, maximum de partage et je crois que ça va aller. Donc, je disais tantôt, et puis j'ai décidé de parler du sujet du décapage, d'éclaircissement. On en parle, avantages, inconvénients. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quand on dit éclaircir la peau, ça veut dire quoi? Pourquoi s'éclaircir la peau? Et comment le faire? Comment réussir? Est-ce qu'une femme peut satisfaire dans 15 minutes? Bien sûr, dans 15 minutes. Une femme peut être satisfaite après 5 minutes de rapport, après 3 minutes de rapport, après 30 minutes de rapport, après 45 minutes de rapport, dépendant de la nature de la femme et dépendant de l'homme qui est en train de toucher la femme, si tu maîtrises le corps de la femme. Bon, cavalier, comme tu me dis merci, tu me donnes juste les partages, hein, juste les partages. Donc, je disais tantôt, le décapage de la peau, le njansan, éclaircissement de la peau. J'aimerais d'abord d'entrée de jeu. Que tout le monde comprenne que à chaque personne sa peau, à chaque être humain son corps. Et chaque être humain est libre de faire de son corps et de sa peau comme il veut et comme il veut et comme il entend le faire, à condition que cet être humain-là soit satisfait. Comment lutter contre l'éjaculation précoce? J'ai déjà donné tout ça. Vous voulez me détruire. Mercredi sur la page de SN Prestige Sexologue. Je parlerai de tout ça. Mercredi sur la page de SN Prestige Sexologue. Je parlerai de tout ça. S'il vous plaît, ma nouvelle page de SN Prestige Sexologue. Je suis assise en ensemble, jean, et j'ai sorti la langue comme ça. Mercredi. Donc, comme je disais tantôt. Chaque être humain a son corps, chaque être humain a sa peau, et chaque être humain fait de sa peau et de son corps ce qu'il veut. Le tout, c'est d'assumer les conséquences qui vont avec. Le tout, c'est d'assumer les avantages qui vont avec. Le tout, c'est d'assumer le retour qui va avec. Que ce que vous appréciez, que les gens apprécient ou pas, ça n'engage pas cet être humain-là. Maintenant, le tout, c'est de savoir, est-ce que mon décapage est bien fait? Est-ce que je maîtrise le décapage? Est-ce que je sais comment me dépimenter? Parce que je voudrais que vous compreniez qu'il y a la différence entre se décaper et s'éclaircir la peau. On peut s'éclaircir la peau sans toutefois se décaper. Ça veut dire que quand vous vous décapez, vous enlevez carrément, je dirais quoi,
Vous enlevez carrément la mélanine. À un moment donné, vous perdez votre peau. Vous n'avez plus de peau. C'est ça qu'on appelle le décapage. Habituellement, on se décape avec des produits qui ont des tonnes d'hydroquinone. C'est ça l'interdiction dans les produits décapants. Quand vous utilisez les produits avec les tonnes d'hydroquinone, il faut juste savoir comment utiliser ces produits. Comment procéder avant d'utiliser ces produits-là? Maintenant, on peut éclaircir sa peau, on peut devenir blanche. Je dis bien toute blanche, sans utiliser les produits chimiques, sans utiliser les produits décapants. On peut devenir blanche, par exemple, en utilisant juste le jus de pomme de terre. On peut devenir blanche. On peut devenir blanche en utilisant la poudre de riz. On peut devenir blanche, mais tout ça, c'est des produits pour des peaux normales, pour des peaux qui n'ont pas encore été touchées. C'est-à-dire, vous devenez blanche en utilisant la poudre de riz, l'eau du riz, juste le jus de pomme de terre, vous devenez blanche. Maintenant, comment réussir un bon décapage? Si, moi, par exemple, je prends l'exemple sur moi, ça fait pratiquement 20 ans. 20 ans que je me décape. Je dis, ça fait pratiquement 20 ans que je me décape. Je prends l'exemple sur moi pour que les gens comprennent rapidement. Ça fait exactement 20 ans aujourd'hui, jour pour jour, que je me décape. Les gens se diront que pourquoi, peut-être elle a une mauvaise peau, peut-être son jambon est mal fait, peut-être elle ne sait pas se décaper. Peut-être les conséquences, peut-être elle n'a plus de mélanine, mais je vous dirais tout simplement, non, vois une femme de mon âge et qui a déjà passé 20 ans à se décaper sans conséquences. Il faudrait dire que c'est parce que je sais comment me décaper et je sais quoi utiliser pour me décaper. Parce que le décapage, c'est quoi? Il y a des gens, juste à utiliser les produits décapants, vous faites un accident. Il est très difficile de suturer la blessure. Parfois, vous faites un accident, la blessure traîne sur vous pendant longtemps. La blessure traîne sur vous pendant longtemps. Il y a les gens comme ça. Donc, il y a les gens qui ont la mauvaise peau. Il y a des gens qui ont la bonne peau. Bon, je ne vous dirai pas que j'ai la bonne peau ou j'ai la mauvaise peau, mais je vous dis juste qu'il y a ce genre de personnes. Maintenant, comment réussir un bon décapage? Comment réussir un bon jansan? Le jansan a des principes qu'il faut respecter. Le jansan a les principes qu'il faut mettre en place. Le jansan a les indications qu'il faut respecter. La base de jansan, c'est l'hydratation. L'hydratation, c'est quoi? Vous buvez beaucoup d'eau et vous mettez un lait hydratant en journée obligatoire. Le lait hydratant. Jerry Tonga, je te réponds. Tu dis qu'on garde notre peau parce que je ne suis pas plus belle qu'une femme qui se décape. Je te jure, moi, la seule preuve de la beauté d'une femme. Si une femme n'est pas brune, pour moi, elle est très laide. Parce que la beauté de la femme noire s'apprécie de près. Or, la beauté de la femme brune s'apprécie de loin. La femme brune est comme la maf. Tu as compris? Donc, à distance, on remarque la femme brune. Donc, c'est de près qu'on constate la beauté de la femme noire. Pour moi, toute femme noire est laide. Pour moi, pour être belle, il faut être brune. Pour moi, pour être belle, il faut se décaper. Pour moi, pour être belle, il faut avoir la couleur du taxi. Non, je lui réponds pas pourquoi. Pour moi, pour être belle, il faut avoir la couleur du taxi. Ça, c'est la couleur d'attraction. Quand tu es brune, tu séduis à distance, tu attires à distance. Et toutes les conséquences d'une jansan engagent ceux qui font le jansan. Je crois que c'est clair. Voilà. Donc, partage maintenant le direct. Donc, je disais tantôt, la base d'une jansan, c'est quoi? L'hydratation. Il faut boire beaucoup d'eau. Quand on dit beaucoup d'eau, tout ce qui est à l'excès nuit. On boit de l'eau en fonction de sa corpulence. Si vous avez 65 kilos, vous savez que normalement, vous deviez boire 6 litres, 6 verres d'eau par jour. Donc, vous buvez la quantité d'eau convenable à votre poids. C'est très normal. Maintenant, le lait hydratant est obligatoire en matière de jansan. En journée, vous devez mettre obligatoirement, vous avez le choix entre le lait hydratant,
entre l'huile de palmiste, entre le beurre de karité pour hydrater votre peau. Sauf que sachez que quand vous mettez le blé, quand vous mettez le beurre de karité, le beurre de karité c'est très bien. Le beurre de karité, il n'y a pas son deux. Le beurre de karité, il n'y a rien qui puisse être comparé au beurre de karité. Le beurre de karité nourrit, ça hydrate, ça répare. Sauf que ça freine l'évolution des produits éclaircissants. Voilà ce qui aide une dent sans. Ça freine l'évolution des produits éclaircissants. Oui, le petit masser en journée, oui, c'est bon. Un lait neutre, c'est bon. Donc, ce qu'il y a à retenir concernant le Njansan, les produits éclaircissants et le soleil ne font pas bon ménage. C'est des ennemis intimes. C'est-à-dire, c'est des ennemis jurés. Quand vous mettez des produits éclaircissants en journée, vous allez au soleil, bonjour les mamies, bonjour les saines, vous faites obligatoirement les rougeurs. Vous vous demandez à un moment donné pourquoi est-ce que vous faites les rougeurs? Vous faites des rougeurs parce que vous mettez des produits éclaircissants en journée. Autre chose, quand vous décidez de vous décaper ou d'éclaircir votre peau, le visage ne doit pas les. Vous voyez, c'est parce que vous ne voulez pas partager la vidéo. On est en train de signaler. Partagez la vidéo, vous envoyez les cœurs. On signale la vidéo. Les jaloux ne veulent pas qu'elle parle du Njansan. Donc, comme je disais tantôt, les produits. Jerry, je n'ai pas ton temps. Il te répond plus. Parce qu'il te répond, risque d'avoir des problèmes. Pourtant, tu es mon followers. Tout ce que je te demande, c'est de me faire les partages dans les groupes. Gros bisous. Merci pour le conseil. Qu'est-ce que je disais tantôt? Voilà, les produits forts. Oui, le beurre de karité réduit, freine l'évolution du Njansan. Mais en matière d'hydratation, en matière des produits réparateurs, en matière des produits qui nourrissent la peau, il n'y a pas son deux. Le beurre de karité est meilleur. Le beurre de karité est numéro un. Le beurre de karité est super efficace. Mais sauf que quand vous mettez le beurre de karité, ça ralentit l'effet du Njansan. Je disais tantôt que le visage n'aime pas les produits forts. Quand on se décape au visage, on doit mettre les produits doux. Les produits qu'on met au corps, on ne doit pas mettre ces produits-là au visage. Ça, c'est nota bene. Ne jamais mettre les produits du visage au corps. Parce que les produits du visage doivent être doux. Maintenant, il y a un autre secret dans le Njansan. Parce que les gens disent toujours, non, elle se décape, le décapage n'est pas bien. Comment cela se fait-il que tous les jours, elle est toujours en train de se décaper? Je me dis bien, je me décape, ça fait 20 ans. 20 ans que je me décape. Et à chaque fois que je me blesse, j'ai 2 semaines pour que ma blessure se cicatrise. Ce n'est pas parce que mon Jansan est bon ou bien ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que je me moque des gens. Non, c'est tout simplement parce que la peau, notre peau dans notre famille, nous, notre peau cicatrise très rapidement. Quelle que soit la blessure que nous avons dans la famille, quelle que soit, je dis bien, quelle que soit la blessure, on en a au trop pour 2 semaines et ça va se cicatriser. J'ai dit, depuis 20 ans, je me décape. Maintenant, il y a un secret dans le Njansan que les gens. Ok, il y a les gens qui mettent même un peu de beurre de karité dans leurs produits directement. Hein. Quand ils composent leurs produits, ils mettent toujours un peu de beurre de karité, c'est normal. Qu'est-ce qui fait alors la particularité du Njansan? La particularité du Njansan, c'est quoi? Ne mettez pas les produits éclaircissants de façon continuelle. Ne mettez pas les produits décapants de bonjour Youssouf, comment tu vas mon cœur? Ne mettez pas les produits décapants de façon, c'est-à-dire continuellement sans repos. Non, la peau, chaque chose a besoin de repos. Chaque chose a besoin à un moment donné de respirer, de prendre un coup. Même quand vous travaillez, à un moment donné, vous prenez des congés parce que vous voulez vous reposer. À un moment donné, vous voulez souffler. À un moment donné, vous voulez changer d'air. À un moment donné, vous voulez vous reposer. C'est comme ça que la peau, à un moment donné, a besoin de repos. Quand vous vous décapez, à un moment donné, laissez 3 mois
vous ne mettez pas de produits éclaircissants ou des produits décapants. Vous restez pendant 3 mois, c'est-à-dire vous utilisez soit votre lait neutre hydratant, soit votre beurre de karité, soit votre huile d'amande douce. Vous faites ça pendant 3 mois, le temps que la peau se retourne. Le temps que ça, la peau se repose et que la mélanine se réforme encore. Et puis, vous pouvez recommencer votre injection après 3 mois. Je sais que les gens ont toujours peur de noircir, les gens ont peur du candidaton, les gens ont peur de la laideur. Parce que quand tu as commencé l'injection, tu laisses ce qui est sûr. Ça, c'est clair. Tu deviens d'abord laide. Tu seras laide et tu seras la risée de tout le monde. On va se moquer de toi. Maintenant, tu prends le coton, tu bouches tes oreilles, tu t'en fous des ondes, tu t'en fous de candidaton, tu t'en fous de ce qu'on va dire et tu arrêtes tes produits pendant une période de 3 mois. Si tu trouves que c'est beaucoup, tu peux arrêter tes produits. Je viens manger le pondu. Tu peux arrêter tes produits pendant une période de 2 mois. Le temps que ta peau se régénère. Parce que quand ta peau a déjà perdu son élasticité, le Njansan ne prend plus, plutôt le Njansan vous brûle. Le Njansan vous brûle plutôt parce que vous n'avez plus de mélanine, vous n'avez plus de chair, vous n'avez plus, il n'y a rien qui nourrit la peau. Tout est déjà parti, l'élasticité, tout est parti. Vous voyez votre peau, vous êtes belle quand vous regardez, vous êtes belle, on vous admire. Or, en fait, votre peau a déjà perdu son élasticité, votre peau a déjà perdu sa fermeté. Donc, et pour cela, je dis pour tous les adeptes du Njansan, écoutez très bien ce que je vous dis. Arrêtez le Njansan pendant une période. Quand vous faites le Njansan, vous faites ça, peut-être après 1 an, vous arrêtez le Njansan pendant 3 mois. Autre chose maintenant à connaître du Njansan, la crème du jour n'est pas forcément la crème de la nuit, je vous ai déjà dit ça. Maintenant, comment est-ce qu'on met le Njansan? Vous pouvez choisir par exemple une journée, vous mettez seulement le jus de citron et de miel sur le visage pour faire votre soin de visage. Vous mettez ça sur votre visage, vous choisissez peut-être 3 jours, vous mettez les produits éclaircissants et les autres jours, vous mettez juste les produits d'entretien. Maintenant, une autre base du Njansan, je vous parle du Njansan en tant que professionnel du Njansan. En tant qu'une adepte du Njansan, je prends sur moi tous les coups qui vont avec. J'assume mon Njansan. J'aime le Njansan. C'est-à-dire, je m'en fous du candidaton. Parce que je prends sur moi ce que je fais. Le tout dans la vie, c'est d'assumer ce qu'on fait. Maintenant, une autre base du Njansan, c'est des soins corporels. Vous avez, entre autres, le hammam que vous pouvez faire. Vous pouvez faire le hammam 3 fois par semaine si vous avez ça à la maison. Vous pouvez faire le sauna. Vous pouvez faire la couverture chauffante. Vous pouvez également faire les gommages. Vous pouvez faire les gommages 2 fois par semaine. Si vous avez les moyens, vous partez en institut. Mais si vous n'avez pas les moyens, vous faites vos gommages et vos soins à la maison. Le hammam naturel se fait. Vous mettez une grosse marmite au feu, vous faites bouillir la citronnelle. Une fois que la citronnelle a ébouilli, vous mettez les feux de persil, vous lancez le persil, vous lancez les feux de menthe et vous cherchez le menthol. Par exemple, un truc comme le Vitago, donc un genre de menthol, un truc mentholé, soit le Vic, soit le menthol, soit le Vitago, vous mettez à l'intérieur et vous vous couvrez. Dès que vous couvrez, la vapeur monte, c'est ça. Le hammam naturel. Je ne suis pas en train de gâter le commerce des gens qui ont les instituts, mais je dis juste que ça encore c'est très mieux parce que vous avez le persil qui est une plante, vous avez la citronnelle qui est d'ailleurs très bien pour la peau, vous avez la menthe aussi, ça vous ouvre les pores et vous appliquez votre gommage. Ça, le gommage, on fait le gommage 2 fois par semaine. Ça, c'est une autre base du Njansan. Mais nota bene, attention. Quand vous avez les végétures, on ne fait pas le gommage sur une peau qui a les végétures. Quand vous avez les végétures, cherchez d'abord à soigner vos végétures avant de faire le gommage sur votre peau. Ne faites jamais le gommage quand vous avez les végétures sur votre peau. Conseil,
C'est pour ça, à un moment donné, on vous dit, regardez par exemple, ça fait 20 ans que je fais le Ndiansan. Chaque fois, je peux laisser 3 mois, je peux laisser 4 mois, je peux noircir à un moment donné. Je noircis si bien que je deviens comme. Je noircis, je deviens. Ma mèche, elle est marron, ma mèche est de couleur brun. Donc, je noircis, je deviens vraiment noir. Après, quand tu recommences, le Ndiansan reprend encore très grave. Donc, quand vous avez les végétules, ne mettez pas, ne faites pas le gommage sur une peau à végétules. Soignez d'abord vos végétules. Quand je vous parle d'abord de moi parce que j'aime parler de moi. Moi, par exemple, j'aime mes végétules. Pour moi, les végétules, pour moi, c'est une marque de confiance. Les végétules, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, c'est Dieu qui m'a donné les végétules. Je connais le médicament pour faire finir les végétules en 7 jours. C'est-à-dire, quand vous appliquez, 7 jours après, vous avez les premiers résultats visibles. Un mois, les végétules partent définitivement. Mais je n'ai jamais intenté ces résultats. Je n'ai jamais testé ça sur moi parce que moi, les végétules ne me disent rien. Si tu es un homme, tu viens vers moi, tu dois m'aimer avec tout ce qui va avec. Et quand tu viens vers moi, tu viens chercher le produit, tu ne viens pas chercher l'emballage. Donc, les végétules, pour moi, ce n'est même pas un problème. C'est-à-dire, ça ne m'a jamais affecté. Les végétules ne m'ont jamais affecté. Mes végétules ne m'ont jamais. C'est-à-dire, ça ne m'a jamais gratté. Ma température face aux végétules reste à 37 degrés, même pas à 37,5. Donc, je ne suis pas complexée par rapport aux végétules. Donc, ça, c'était le secret du Ndiansan. Maintenant, la réaction des gens par rapport au Ndiansan. Moi, je parle du Ndiansan parce que je suis une abonnée du Ndiansan. Je fais les laits et je vends les laits. Je rencontre beaucoup de personnes. Je fais beaucoup de sondages concernant le Ndiansan. J'échange avec beaucoup de femmes. Laissez-moi vous dire que sur 100 femmes, 95 femmes aimeraient faire le Ndiansan. Sur 100 femmes, le rêve de 95 femmes, c'est de faire le Ndiansan. Mais comme les femmes sont des éternelles hypocrites, comme les femmes sont des éternelles, je ne sais même pas quel qualificatif je dois utiliser. Les femmes, quand elles viennent vers toi, elles commencent dans un premier temps, elles te disent, je veux un truc qui va me rendre propre. Je veux un truc qui va me rendre propre. Tu lui dis, ok, tu composes un truc pour la rendre propre. Tu mets seulement les huiles essentielles et les vitamines. Tu sais que bon, elle veut un truc qui te la rend propre. Tu lui donnes. Elle va, elle l'utilise. 2 semaines après, elle te dit que non, ça ne m'a pas rendu propre. Toi, tu vois qu'elle est bien propre. Mais elle te dit, non, ça ne m'a pas rendu propre. J'ai un mariage dans 2 semaines. Je voudrais un truc qui va me nettoyer. Tu recomposes un truc en plus des huiles essentielles. Tu mets les vitamines. Maintenant, tu cherches à mettre un petit truc éclaircissant, mais sans hydroquinone. Elle va, elle revient. Elle dit non, ça m'a éclairci seulement un peu. Je suis habituée aux femmes. J'ai dit sur 100 femmes, 95 femmes rêvent être brunes. Elles rêvent être brunes. Je vais vous expliquer le mécanisme de toutes ces femmes-là. Je vous explique. Ce sont des éternelles hypocrites. J'ai dit des éternelles hypocrites. Quand elle revient, elle te dit, non, moi je voulais brunir. Tu lui demandes que tu veux te décaper ou tu veux éclaircir ta peau. C'est mieux de dire que tu veux te décaper. Quand si tu parles, si c'est un blanc qui te parle, tu vas faire comme le chien écoute son maître. Mais quand tu viens me parler, tu fais comme si tu me prends un peu pour une maboule. Oh, en fait, tu veux te décaper, tu veux ma peau. C'est où elle te dit, oui, je veux ta peau, mais je ne veux pas être trop comme toi là. C'est-à-dire, elles sont toujours hypocrites. Oh, en fait, elle veut ta peau. Oh, en fait, elle veut ta peau. À un moment donné, tu lui donnes le produit, elle commence à mettre. Après un autre jour, quand elle te voit, elle dit que non, j'ai laissé tes produits. Je ne pouvais plus moi mettre tes produits parce que c'était très fort. Pourtant, ce sont tes produits qu'elle met. Elle dit, je mets maintenant un lait là qu'on m'a ramené de l'Europe. Alors qu'elle ment, ce sont tes produits qu'elle met. Les femmes sont des hypocrites. Elle met tes produits, mais elle ne veut pas que tu saches. Ou quand elle vient vers toi, elle te dit, j'ai ma soeur. Ce n'est jamais elle. Elles viennent vers toi toujours, elles te disent que j'ai ma soeur qui a son mariage, j'ai une de mes cousines qui veut se décaper, elle aimerait que tu lui fasses le lait, alors que c'est son lait. Donc, je voulais tout à l'heure dire que la vie des gens importe peu sur la peau de ceux qui font le Ndiansan.
Parce que les filles qui font l'ondiansan, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, elles font l'ondiansan, elles assument l'ondiansan. Ils assument l'ondiansan, ils aiment l'ondiansan, ils assument les conséquences qui vont avec l'ondiansan. Ils aiment leur peau comme ça. Maintenant, à tous ceux-là qui pensent que les femmes qui font l'ondiansan dégagent les odeurs, vous-même, les hommes-là qui disent que vous, les femmes qui font l'ondiansan dégagent les odeurs, à un moment de la vie, est-ce que vous avez regardé vos testicules-là? Est-ce que vous regardez parfois vos entrecuisses avec les caleçons, les couleurs rouges là? Est-ce que vous savez que vous-même qui dites que les femmes qui font l'ondiansan dégagent les odeurs là, vous êtes plus sale et vous dégagez plus les odeurs que les femmes qui dégagent, qui font l'ondiansan? C'est-à-dire, vous aimez vous cacher, non, on n'aime pas les femmes qui font l'ondiansan. Les femmes qui font l'ondiansan, il faut laisser sa peau naturelle. D'abord, à moi, SN Prestige, on ne me dit pas ça. Tu me dis ça, tu reçois les coups et très mal. C'est-à-dire, je suis une blessée de guerre en matière de ndiansan. Tu me dis ça, tu vas recevoir. Et la plupart des femmes que tu verras qui n'aiment pas le ndiansan, c'est parce que sur la peau de ces femmes-là, il y a les zones d'opposition. C'est-à-dire, elles font n'importe comment, les kentos restent comme la peau du caïman. Regardez par exemple mes doigts. Elles font n'importe comment, les kentos restent comme la peau du caïman. Les orteils, dont les orteils sont noirs, c'est-à-dire les zones d'opposition refusent de prendre. C'est-à-dire, elles grattent, elles mettent n'importe quoi. Soit la face est rouge, soit ici est noir, soit le front est marron. C'est-à-dire, le ndiansan n'est pas donné à n'importe qui de réussir un bon ndiansan ou de faire le ndiansan. D'ailleurs, pour faire le ndiansan, il faut être capable de faire le ndiansan. Pour faire le ndiansan, il faut avoir les moyens qui vont avec. Pour réussir le ndiansan, il faut être sûr que tu auras les doigts sans les kentos, que tu auras les orteils, c'est-à-dire que sur ta peau, tu n'auras pas les zones d'opposition. Maintenant, quand tu fais le ndiansan, tout ce qui t'arrive pendant le ndiansan, on appelle ça les risques du métier, les conséquences qui vont avec. Quand tu te blesses, c'est toi, c'est ta peau. C'est ta peau. Ce n'est pas la peau d'une personne, c'est toi, ta peau qui te blesse. Quand tu dépenses, c'est toi qui dépenses. C'est toi qui dépenses. C'est toi qui dépenses. Quand tu te blesses, c'est toi qui dépenses. Quand tu as n'importe quelle blessure sur toi, c'est ta peau, c'est ton corps, ça t'engage, ça n'engage pas les gens. Maintenant, celles-là qui se décapent, elles se sentent bien dans leur peau. Elles sont belles. Personne ne doit me dire le ndiansan, la couleur du taxi, c'est la couleur commerciale. Quand je fais par exemple mon direct où je suis habillée avec des camisoles transparents, si j'étais noire, ça ne devait attirer personne. C'est parce que j'ai la couleur du taxi. C'est parce que j'ai la couleur attirante. C'est-à-dire la femme brune, quoi qu'on dise, reste la femme belle parce que sa beauté. On remarque sa beauté à distance. Oh, la femme noire, c'est de près qu'on remarque sa distance. Toutes les femmes qui critiquent celles qui font le ndiansan, là, tous ceux qui critiquent celles qui font le ndiansan, est-ce que vous avez déjà vu une femme noire, noire et sale? Est-ce que vous savez ce que ça fait d'être noire et sale? Ça veut dire une femme noire et sale, ça devient la catastrophe. Autant mieux être brune et être sale. Non seulement vous êtes noire, vous êtes sale, vous dégagez les odeurs. Est-ce que vous imaginez, c'est vrai quand même que je vous appelle mes camemberts, mais le camembert en ce moment-là devient du n'importe quoi. Donc, les gens qui font le ndiansan se sentent bien dans le ndiansan. Elles sont belles, elles sont attirantes, elles plaisent aux yeux de tout le monde. Ceux qui critiquent, ce sont des jaloux, ce sont des incapables, ce sont ceux-là, enfin, ce sont des envieuses. Elles aimeraient être comme celles qui se décapent, mais il n'y a pas moyen d'être comme ça. Maintenant, les hommes qui trouvent que les femmes qui se décapent dégagent les odeurs, vraiment, ne les draguez pas. N'allez pas vers ces femmes-là. Parce qu'on vous connaît. Vous dites tout, vous n'aimez pas le décapage. Vous partez épouser les femmes noires. Mais dehors, si une femme n'a pas monté, tu ne peux pas la draguer. En ce moment, tu joues à quoi? À l'hypocrisie ou bien tu joues à... Ou qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ou c'est les pop-corn qui sont en train de sauter dans vos têtes? C'est des aigris, vraiment. Merci, chérie. Les aigris. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Vous n'aimez pas les femmes qui se décapent. Oui, nous avons accepté. Les femmes qui se décapent sont sales. Oui, on accepte. Les femmes qui se décapent dégagent les odeurs. Oui, nous avons accepté. Vous avez épousé les femmes noires. Oui. Au fil des jours, elles commencent à se décaper. Et vous ne dites rien. C'est quoi le projet?
tu épouses une femme noire parce que tu aimes la peau noire. Elle arrive à la maison, elle se décape, elle devient plus brune que moi. Tu ne dis rien, c'est quoi le projet? Donc finalement, tu voulais une femme noire, une femme brune. Mais comme tu avais honte du candidat ou tu avais peur des yeux de ta famille, tu as d'abord dit à la fille que non, laisse, tu entres chez moi avant de devenir brune. Ou parfois, tu as une femme noire à la maison. Dehors, tu peux chercher une femme qui est brune avec les veines, dont le genre de maquillage qui laisse passer les veines vertes là. C'est le genre là que tu peux chercher. Et toutes ces femmes-là qui disent que je n'aime pas le Njansan, je suis bio. Parce que les femmes noires là, les femmes qui font le Njansan sont leur objet de, je sais pas. Elles sont toujours, c'est qu'on dirait qu'elles sont leur obstacle. Elles sont toujours en train de dire je suis bio, je suis naturelle. Je n'aime pas le Njansan, femme africaine. Elles ont toujours un mot à dire sur les femmes qui se décapent. Oh, les femmes qui se décapent n'ont même pas leur temps. Tu ne peux jamais voir une femme qui se décape perdre le temps à apprécier une femme noire ou à accorder même un regard à une femme noire ou accorder de l'importance à une femme noire. Moi, par exemple, je ne peux pas apprécier une femme noire. Une femme noire ne m'ébranle pas. Si tu n'es pas brune, brune naturelle ou brune de décapage, tu ne vas jamais m'ébranler. Tu ne peux même pas m'attirer. D'abord, tout le monde sait. Pour être mon ami, on doit se décaper. On doit être brune. Ma beauté, c'est quand tu es brune. Si tu n'es pas brune pour moi, tu es laide. Tu es laide pour moi si tu n'es pas brune. C'est comme ça. Tu n'es pas brune, tu es laide pour moi. Donc, de grâce, arrêtez de critiquer les femmes qui se décapent. Si vous êtes incapable d'acheter leur crème, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui critiquent parce qu'elles ne peuvent pas acheter la crème des femmes qui se décapent. Du coup, il commence à dire que non, les femmes qui se décapent ne sont pas belles, ça c'est trop de dépenses et tout ça. C'est parce que vous êtes des incapables, c'est parce que vous n'avez pas des moyens, c'est parce que vous êtes dans l'incapacité de sortir avec une femme brune qui se décape. Alors vous n'avez, il n'y a pas de problème, la porte de sortie, elle, ne la draguez même pas. Ne nous draguez pas. Moi-même, je n'aime pas les hommes qui ne se décapent. Parce que si un homme ne se décape pas, il me drague, il n'accepte pas. Parce que je me décape. Du coup, je fais partie des gens qui aiment seulement les gens qui se décapent. Si un homme est brun, sans se décaper, je ne l'accepte pas. Noir, il ne se décape pas. Moi-même, je ne l'accepte pas. Cavalier, cavalier, tu ris pourquoi? Tu ne connais pas les gens. Hein? Toujours en train de victimiser les femmes qui se décapent. Oh, elle se décape. Oh, elle gâte sa peau. Elle gâte sa peau. C'est sa peau qu'elle gâte. Sa peau. Ce n'est pas ta peau qu'elle gâte. C'est sa peau. Les conséquences vont avec sa peau. Les inconvénients vont avec sa peau. Si elle détruit sa peau, c'est sa peau. Est-ce que c'est votre peau à deux? Est-ce que c'est votre peau à deux? Il faut les voir dans le sous-marinage. C'est-à-dire en public, tu les vois. Moi, je n'aime pas les femmes qui se décapent. Ils viennent en sous-marin. Ils viennent te draguer. Ils te disent ça. Ah, dis donc, je disais ça devant mes amis juste pour dire. Quand vous voulez laisser l'hypocrisie, vous, les femmes qui passez votre temps à critiquer, là, j'ai beaucoup de mes amis qui ont dit, je suis noire, je suis bio, je n'aime pas le décapage. Un matin, ils sont venus me voir. Pardon, on veut que tu nous composes le lait. Quand je composais le lait, leur peau est devenue comme la peau du caïman. Parce qu'il y a les peaux aussi qui refusent le Njangsa. Hein. Il y a les peaux qui disent que ici, là, je ne veux pas moi le Njangsa parce que tu n'as pas le pouvoir et le droit de faire le Njangsa. Ce n'est pas n'importe qui fait le Njangsa. C'est-à-dire, il y a les gens, la peau comme le caïman. Tu grattes n'importe comment. La peau dit que ici, là, je ne me gratte. Tu vois les genoux comme ça. C'est comme les genoux des maçons. Tu vois les coudes comme ça, c'est la merde. Tu vois les orteils, alors une femme qui ne peut pas mettre les pieds nus, elle ne peut pas tenir un verre comme ça devant les gens. Elle tourne un verre. Regardez par exemple mes doigts. C'est sans kento. Vous voyez mes doigts? C'est sans kento. Il n'y a même pas un trait de kento là-bas. Et ça fait pratiquement 20 ans que je me décape. Elle pas dit, non, tu ris. Moi, je connais les hypocrites là. Donc, je vous ai dit tout ce qu'il y a lieu de faire par rapport au Njansan, tout ce qu'il y a lieu de savoir sur le Njansan. Maintenant, si vous avez les questions, vous pouvez poser. Entrons maintenant le buzz des réseaux sociaux, l'actualité des réseaux sociaux. Francine Ba, la chaîne de la joie. Je ne sais pas si tu. J'étais taguée. Si tu regardes mon direct, prends ton tabouret, tu viens t'asseoir ici, là. Francine Ba. La chaîne de la joie. Prends ton tabouret, tu t'assois. J'ai deux mots à te dire. Toi, Francine Ba. Et les mots que j'ai à te dire, il faudrait que ça serve de leçon à toutes les autres femmes.
Ça doit servir de leçon. Une femme noire n'est pas plus belle que moi. Une femme naturelle n'est pas plus belle qu'une femme qui se décape. Pour moi, hein, pour être belle pour moi, tout le monde sait. Tout mon entourage, bonsoir Michel, comment tu vas? Tout mon entourage sait que pour être belle pour moi, il faut être brune. Tout le monde sait. Quand tu es mon ami, tu dois être brune. Si tu n'es pas brune, je ne marche pas avec toi. Tout le monde sait ça dans mon entourage. Hein. Donc, les moqueries, les railleries des femmes noires, là, ça glisse sur moi. D'abord, pour moi, injure est égal à fantasme. Insulte pour moi est égal. C'est quand tu m'insultes que ça me met au top. Ça me donne de la force, ça me donne la détermination. Ça me permet de comprendre en fait que je suis importante. Donc, j'assume, nous assumons notre Ndjansan. Nous aimons notre Ndjansan. Et nous sommes fiers de notre Ndjansan. Et les conséquences du Ndjansan. Ah, je suis là, Michel. Pardon, partage la vidéo aussi dans les groupes, s'il te plaît. Et là, les conséquences du Ndjansan nous engagent. D'accord? Ok, mais je vous ai dit ce qu'il y a lieu de faire sur le Ndjansan. Vous mettez les produits éclaircissants, vous alternez. Vous ne vous gommez pas quand vous avez les vergetures. Vous vous gommez quand vous avez une peau normale. Vous faites le hammam. Vous pouvez faire le hammam à la maison. Quand vous n'avez pas encore commencé le Ndjansan, vous avez encore une peau naturelle. Vous pouvez me contacter. Je vous donne des conseils. Comment faire le Ndjansan avec l'eau du riz, avec la poudre du riz et avec la pomme de terre. Ça vous fait devenir blanchi comme les blancs. Mais la condition, ça doit être sur une peau naturelle. Oui, pose la question, Achille. Je vais entrer dans les buzz de la semaine. Pose ta question, maman. Lily? Pose ta question, chérie. J'ai dit, tu disais tout à l'heure que Francine Mba, c'est la chaîne de la joie. Francine Mba, la femme terriblement mariée. Francine Mba, l'ex-meilleure amie de Lawson Créa 2.0. Il t'a demandé de prendre ton tabouret. Tu viens t'asseoir. Parce que j'ai deux mots à te dire. Toi, Francine Mba, tu as passé tout ton temps ici. Parce que Francine Mba, la chaîne de la joie, tu es mon amie. On s'appelle, on s'écrit, on papote, on rit, on blague au téléphone. J'ai déjà parlé de ceux qui se décapent, de ceux qui critiquent, non, et de celles qui se décapent, non. J'ai déjà parlé de ça, tu n'as pas écouté. J'ai parlé déjà de tout ça. C'est les femmes qui critiquent là. Elles critiquent parce qu'elles sont jalouses, elles critiquent parce qu'elles sont envieuses, elles critiquent parce qu'elles sont incapables de faire ça. Qui marche là? Pardon, j'ai envie de prendre une bière, s'il te plaît. J'ai envie de prendre une bière. Bien glacée, s'il te plaît. Tu as l'argent avec toi, hein? Donnez-moi une petite minute. Juste une petite minute. Je vais donner l'argent pour acheter ma bière. Une petite minute, pardon. Depuis que j'ai des visions de ma sœur la bière. Ok, je suis là. Je suis là. Merci d'avoir patienté. J'ai envie de boire. Oui, Gelo Mukeba Benga. Comment tu vas, chérie? Tu as partagé combien de fois dans les groupes? Donc, je disais tantôt, Lily, s'il te plaît, fais vite, j'ai soif. Bien glacée, ma chérie. Donc, comme je disais tantôt, Francine Battu est mon amie. On papote souvent, on s'appelle, on joue souvent au téléphone et tout. C'est vrai qu'on a nos bases, on a les fondements de notre amitié. Mais je pense que, à un moment de la vie, je vais taper la bière, mon frère. J'ai soif jusqu'à.
Je pense qu'à un moment de la vie, comme je dis toujours à tout le monde et comme je dis à mes followers, les amis, je vous ai toujours dit, un ami, un problème, deux amis, deux problèmes, trois amis, trois problèmes. Un ami d'aujourd'hui constitue un ennemi de demain. À chaque fois que tu as un ami, tu te confies à cet ami-là. Sache que tu donnes les armes de guerre à cet ami-là pour te combattre plus tard. Les amis, on ne ramasse pas les amis au carrefour. On ne ramasse pas les amis dans les dépotoirs. On ne ramasse pas les amis qui ont eu une éducation dans des greniers pour faire des amis, pour dire que voici mon ami. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux, oui, bien sûr, oui, Gebo, oui. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux que X fait une vidéo pour me supporter, que forcément la personne doit être mon ami. J'ai fait une vidéo où je parlais de ça ici. Dans la vie, il y a quatre catégories d'amis. Il y a ceux-là qu'on appelle les figurants. Les figurants, c'est ces amis-là avec qui on est allé à l'école, on a fait la maternelle, on a joué au ballon, on a fait le lycée et tout. Les figurants sont ceux-là qui ont un rôle bien déterminé et bien défini dans votre vie. Dès que vous avez fini ce truc-là, après ça, ils ne sont plus votre ami. Ils ne sont plus vos amis. Votre amour, là, maintenant, ça se ressent à distance. Ce n'est plus de près, c'est-à-dire c'est à de distance parce qu'ils ne sont pas obligés d'être vos amis. Quand vous grandissez, chacun prend son manteau, il porte, chacun a sa vie. Et ce n'est pas forcément parce que vous avez été des camarades de classe. Bonsoir Ernest, comment tu vas? Ça fait longtemps. Ce n'est pas obligé que parce que vous avez été des camarades de classe que forcément vous êtes des amis. Non. Et il y a des camarades. Je m'adresse à toi, Francine Ba, tu es mon ami. C'est pour ça que je m'adresse, c'est pour ça que le sujet-là m'intéresse. Il y a des camarades. Les camarades, là, sont ceux-là qui se mettent ensemble pour définir, pour combattre pour une cause. C'est-à-dire les camarades d'un parti, les camarades d'un parti politique, les camarades d'un comité de blogueurs, les camarades d'une ligue de blogueurs, les camarades dont vous vous mettez ensemble pour défendre un intérêt. Vous vous mettez ensemble pour défendre une cause. On appelle ça les camarades. Je suis au Cameroun, mon cœur. On appelle ça les camarades. Francine Ba, et je pense que quand on arrive sur les réseaux sociaux, j'ai toujours dit, je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour plaire. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour être appréciée. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour qu'on me fasse la cour ou peut-être pour me pavaner. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux parce que j'ai faim. Non. Je suis venue sur les réseaux sociaux. Chacun est venu en détail sur les réseaux sociaux. Et c'est chaque personne qui sait ce qu'elle veut sur les réseaux sociaux, pourquoi elle est sur les réseaux sociaux. Moi, par exemple, je suis sur les réseaux sociaux pour sensibiliser. Je suis sur les réseaux sociaux pour éveiller les consciences. Je suis sur les réseaux sociaux pour partager mes connaissances, pour partager les recettes, parce que ce qu'on reçoit gratuitement, on doit donner gratuitement. Je suis sur les réseaux sociaux pour édifier la jeune génération. Merci, oh, bonsoir. Salut, Makoso et Francine Ba. Du coup, je t'ai dit, quand tu as commencé, si tu étais avec Lawson Créa, tu m'as dit au téléphone, Lawson Créa, c'est mon ami, je l'aime de tout mon cœur, je l'aime, c'est ma soeur, elle et moi, c'est de la sincérité. Tu m'as dit ça, que tu es sincère envers Lawson Créa, tu as du respect et de la considération à l'endroit de Lawson Créa. Lawson Créa pour toi, selon toi et pour toi, était ta meilleure amie, était ta sœur, était ta confidente, était celle-là avec qui tu pouvais partager un certain nombre de choses. Lawson Créa était celle-là, selon toi, ce qui tu pouvais avoir des problèmes et aller te coucher sur son épaule. Chaque fois, tu m'envoyais ces vidéos en privé ici, tu me dis, s'il te plaît, ma sœur, partage les vidéos de Lawson Créa. J'ai partagé les vidéos de Lawson Créa ici dans plus de ou c'est combien de groupes ici. Chaque fois tu fais la vie, elle fait la vidéo, elle est en direct, tu m'envoies le lien, je partage. J'ai partagé ça par amour pour toi parce que je savais que tu aimais Lawson Créa et tu étais sincère envers Lawson Créa. Tu étais vrai envers Lawson Créa. Tu étais entière parce que quand je t'entendais parler de Lawson Créa, tu étais vraiment entière. C'est-à-dire, tu avais un cœur sain envers Lawson Créa.
Je sais bien qu'un jour j'ai fait une vidéo où j'ai dit Lawson créa sa bille chère et effectivement, ce n'est pas parce qu'elle t'a offensé que je dois dire qu'on parlait du décapage. Toi, tu sors d'où, non? On parlait du décapage, d'éclaircissement de la peau et on parlait d'une jambe sans les avantages, les inconvénients. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Lawson créa t'a offensé que je ne dirais pas ce qui est vrai de Lawson Créa. Lawson Créa, c'est une femme qui s'habille chère. Ça, il faut le reconnaître. En ce qui concerne son physique, je ne suis pas Dieu pour juger le physique de X ou de Y. Mais ce que je n'ai pas aimé, et c'est à toi que je m'en prends, toi Francine Ba, je n'ai pas de problème avec Lawson Créa. Parce qu'avant d'élever une personne au rang d'ami ou au rang de sœur, comme Bibi est ma soeur, Bibi est mon amie. Je peux aujourd'hui dire que, confirmer et dire avec une certaine certitude que Bibi est mon amie. Parce qu'une fois qu'on a échangé, Bibi m'a dit, je mets tel produit. Elle m'a donné le contact de la personne qui fait ces produits éclaircissants. On a échangé, on a été sincères. Aujourd'hui, je peux dire que Bibi est mon amie. Mais quelle est cette amitié de 15 francs? Quelle est cette amitié, je ne sais pas, une amitié du grenier? L'amitié d'un dépotoir. Peut-être cette votre amitié a été créée dans un dépotoir. Peut-être votre amitié a été créée, je ne sais sur la base de quoi vous avez créé votre amitié. Pour un oui ou pour un non, Lawson Créa vient s'asseoir sur les réseaux sociaux, sachant que tu es une femme mariée, sachant que tu es une femme avec un statut, sachant que tu as des enfants, sachant que tu as une famille, tu as une dignité à préserver. Tu as une personnalité à préserver. Tu as un honneur à préserver. Lawson Créa se permet de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux et dire comment tu couches avec eux. Le gars là s'appelle comment là? Hein? Jessie, ou c'est Jessica, ou c'est Jessie Boga. Elle vient s'asseoir carrément sur les réseaux sociaux et elle dévoile tout ça comme ça, à visage découvert. Comment tu es amoureuse de Jessica, comment tu couches avec Jessie Boga. Tout ça pourquoi? Juste simplement à cause d'un comité de blogueurs, parce que tu as choisi ton côté, parce que tu as dit Elvis de Milan est ta fille, parce que tu es du côté de Apuchu. Et du coup, elle vient s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dévoiler. Je demande là son créa, je ne sais pas qui tu es. Et je ne sais pas pour qui tu te prends. Je ne sais pas d'où tu sors. Je ne sais pas qui es-tu en fait. Je ne sais pas comment je vais te caractériser. Est-ce que c'est normal, quel que soit ce que Francine Ba t'a fait, quel que soit ce que Francine Ba a pu faire, je ne sais pas si elle t'a offensé, je ne sais pas si elle t'a insulté, si elle a avancé un mot déplacé. Est-ce que ça t'autorise de venir t'asseoir sur les réseaux sociaux et de dénoncer ou de dévoiler en disant que Francine Ba a un copain ou elle couche avec un autre homme, sachant que c'est une femme mariée? Est-ce que tu as tenu compte de son honneur? Est-ce que tu as tenu compte de sa famille? Est-ce que tu as tenu compte de l'ampleur que ce problème pouvait avoir? Est-ce que tu as eu pitié de la famille de cette femme? Est-ce que tu as eu pitié de ses followers? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es mise à sa place? Peut-être toi, tu t'es mariée avec un blanc. Les blancs, c'est les je m'en fous. Le blanc, tu finis de coucher là-bas. Il te dit, chérie, rentrons à la maison. Mais peut-être Francine Ba, son mari n'est pas un blanc. Elle a une dignité, elle a un honneur. Tu te mets à insulter Francine Ba. Comment Francine Ba est grasse comme le porc? Comment Francine Ba est X, elle est Y. Ma soeur, s'il faille qu'on te mette en compétition avec Francine Ba, vraiment, je n'ai pas envie de t'insulter. Parce que si je t'insulte, je suis sûre. Si je t'insulte, je suis sûre que tu vas très mal dormir. Francine Ba, c'est une très belle femme. C'est une femme dodue. C'est une femme au charisme épatant. Francine Ba a des formes de rêve. C'est une très belle femme. Je n'ai pas envie de t'insulter. Mais on ne fait pas ça, ma soeur. Quel que soit ce que Francine Ba a fait, quel que soit l'acte qu'elle a pu poser, est-ce que c'est normal que tu viennes sur les réseaux sociaux dire comment elle couche avec un gars, avec un blogueur, sachant qu'elle est mariée? Ce n'est pas bien. Ce que vous faites là, ce n'est pas bien. À force de faire les réseaux sociaux, vous finirez un jour par empoisonner quelqu'un. Le taux d'empoisonnement, ça croît comme ça à cause de vous, des femmes comme de vous, des Lawson Créa. À cause d'une histoire de ligue des blogueurs ou des comités des blogueurs, il a fallu que tu viennes maintenant dire comment elle est amoureuse de Jessica, comment elle regardait Jessica avec les yeux doux. En passant, on t'a dit que c'est n'importe quelle femme qui couche avec les jeunes garçons. Si tu n'es pas belle, si tu n'es pas propre, si tu n'es pas attirante,
Si tu n'as pas une certaine classe, un jeune garçon ne peut pas te draguer parce qu'il y a des filles qui pullulent là dehors. Et quand tu regardes Jessica, c'est un bel homme. C'est un homme plein aux actes, c'est-à-dire qui a tout pour plaire, il a la prestance. Il est dynamique, c'est-à-dire c'est un homme aux quatre T, comme on dit souvent. Peut-être c'est toi qui voulais même sortir avec lui. Tu as vu qu'il ne s'intéressait pas à toi. Il avait plutôt un penchant envers Francine Balachène, la chaîne de la joie. Et subitement, tu te mets à dire que tu viens ça se mettre sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas pour un oui ou pour un non. Tu dis comment elle est amoureuse de Jessica. Sachant que Francine Ba, c'est une femme mariée. Sachant que Francine Ba a des enfants, elle a une famille, elle a des followers. Est-ce que c'est normal? Votre amitié tenait seulement sur un seul fil? Parce que je ne peux pas compter le nombre de fois Francine Ba, la chaîne de la joie, m'a envoyé tes directs en eBay de l'aider à partager parce qu'elle t'aimait. Tous les jours, quand tu étais en direct, il faut qu'elle m'envoie tes directs en eBay. Je partage tes directs. Elle m'envoie les directs chaque fois. Elle m'appelle, elle me dit, tu es sa sœur. Elle m'appelle tout le temps. Elle me dit, non, tu es son amie. Elle t'aime sincèrement. Elle est de tout cœur avec toi. Ma sœur, pour un oui ou pour un non, tu es venue t'asseoir sur les réseaux sociaux. Tu as dénoncé que tu as dévoilé le secret de Francine Ba. Reste encore à savoir si elle t'a dévoilé, si elle t'avait confié ce secret. Donc, si elle était partie comme ça, se déshabiller des gens, Jessica, et revenir se confier chez toi, aujourd'hui, tu devais mettre Francine Ba au marché, ma soeur. C'est quel genre d'amitié, ça? C'est pour ça que je vous dis, les amitiés en pacotille, là, ce ne sont pas des amitiés. Et j'attire l'attention de tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on est blogueur. Ce n'est pas parce qu'on est influenceur. Ce n'est pas parce qu'on est cyberactiviste. Ce n'est pas parce qu'on est impacteur que forcément on doit être les amis. Non. Ce n'est pas pour ça que forcément on devrait être les amis. Vous défendez une même cause. Vous voulez être dans la ligue des blogueurs. Elle a choisi le comité des blogueurs. Ma soeur, est-ce que l'amitié, c'est une prise en charge? Est-ce que l'amitié est forcée? Est-ce que l'amitié est forcée? Elle ne veut pas faire partie de votre ligue des blogueurs. Tu la laisses tranquille. Elle ne veut pas faire partie de votre ligue des blogueurs. Tu la laisses. L'amitié, ce n'est pas une prise en charge. L'amitié n'est pas forcée. Toi, tu n'es qu'une femme. Toi, là où sont créés. J'ai dit, je ne t'insulte pas parce que je n'insulte pas les créatures de Dieu. Et si je t'insulte, je ne pense pas que tu vas dormir aujourd'hui. Si je t'insulte, je suis sûre que tu feras un AVC. Parce que j'ai une très mauvaise bouche. Mais je n'ai pas aimé ce que tu as fait là. J'ai pas aimé ce que tu as, le geste que tu as fait là. Venir te placer sur les réseaux sociaux et dire qu'elle se couche avec un blogueur, sachant qu'elle est mariée. Tu connais son mari, tu échanges souvent avec son mari. Tu sais très bien que si son mari n'est pas fort, s'il est cardiaque, il peut mourir d'un AVC. Parce que tu es venu t'asseoir, tu lui dis que sa femme est infidèle. Est-ce que c'est normal? Je n'ai pas aimé ce que tu as fait là. Je n'ai pas envie de t'insulter, mais que ça ne se répète plus jamais. Et à toi, Francine, bah, vraiment, tu as rempli mon téléphone ici, là, avec les directs de là où sont créés. Oh, c'est ma soeur. Oh, c'est mon ami. Oh, je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. S'il te plaît, partage ces directs. J'ai pris mon petit doigt-ci. J'ai partagé les directs, au moins 1000 directs dans au moins 1000 groupes de là où sont créés. Voilà où elle peut te laisser aujourd'hui. Voilà dans quoi elle te met aujourd'hui. Voilà dans quelle saleté, c'est-à-dire elle te met dans la boue aujourd'hui. Est-ce que tu mérites la boue? Est-ce que tu te regardes? Est-ce que tu vois comment tu es belle? Est-ce que tu regardes ton charisme? Est-ce que tu vois ton potentiel? Est-ce que tu sais qui tu es? Parce que toi, Francine, bah, la chaîne de la joie, là, peut-être à un moment donné, tu ne sais même pas qui tu es. Tu es très belle. Tu vois comment tu es? Tu as le potentiel. C'est-à-dire tu es belle. Tu es attirante. À un certain moment, il faut savoir avec qui faire quoi. Dans la vie. Mais vous avez dit sur les réseaux sociaux là, je dis la vérité. Tu veux, tu m'aimes, tu veux, tu ne m'aimes pas. Je ne veux même pas me faire aimer. J'ai mes followers qui m'aiment, qui m'adorent. J'ai ma bibi qui m'aime. Mes followers sur TikTok m'adorent. Mes followers de Facebook m'adorent. Même quand vous avez fait la jalousie, on a dépublié ma page, mes pages. Je sais que mes followers vont me remettre au top. Donc à un moment donné de la vie, il faut arrêter. Passons maintenant à Makoso. Ma, s'il te plaît, viens décapsuler un peu ça. Il y a l'ouvre-bière là-bas dans mon porte-monnaie. Passons maintenant à Makoso et à Puchu National. Ouais, les blogueurs, c'est-à-dire les blogueurs ivoiriens, c'est l'incarnation du satanisme. C'est-à-dire quand on veut blogueur ivoirien, on vous identifie par les clashs. Vous n'apportez rien de bon sur les réseaux sociaux. Seulement les clashs, les injures. Je ne sais pas si c'est une façon
de chercher la monétisation. Je sais pas si c'est une façon d'attirer les vues. Je sais pas si c'est une façon d'attirer la visibilité sur vous. Mais je vous dirais tout simplement que vous le faites dans le mauvais sens. C'est-à-dire, vous faites ça dans la négation. Tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux est négatif. Voilà, par exemple, Apuchu National aujourd'hui et Makoso Kami. Makoso qui dit, Apuchu, c'est son fils. Oui, on sait, Apuchu, c'est ton fils. Tu peux avoir un fils, tu apprends le travail au fils. Et demain, le fils te dépasse en matière de travail. Ça, tout le monde sait. Un professeur peut t'enseigner, peut te dispenser les cours. Demain, toi, l'élève, tu te dépasses. Il y a les élèves en salle de classe qui dépassent les professeurs lors des cours, non? Il y a les surdoués. Tu as appris la mamaï à Apuchu. Tu es son père. Oui, tout le monde sait que tu es son père. Tu l'as appris la mamaï. Mais à un moment donné, Apuchu peut te dépasser. Tu as 5 ans sur les réseaux sociaux. Apuchu a 2 ans sur les réseaux sociaux. Tu fais un direct où tu partages ton direct sur 15 pages. Apuchu ne partage son direct sur aucune page. Apuchu fait 23 000 vues. Toi, tu fais 34 000 vues. Tu célèbres tes 34 000 vues. Toi, Makoso, tu t'auto-proclames. Tu t'auto-proclames quoi? Les maîtres des réseaux sociaux, mon frère. Tu es sur les réseaux sociaux pour les clashs. Tu es un blogueur. Tu es un coach. Je pense qu'on t'a connu sur les réseaux sociaux comme pasteur. Ou tu veux d'ailleurs sortir de ta ligne éditoriale et te ranger sur le côté des coachs ou sur le côté des influenceurs. Tu es un impacteur. Tu es un blogueur. Tu es un pasteur. Tu dois rester dans ta ligne éditoriale de pasteur. La prédication, enseigne-nous la Bible. Tu es allé encore plus loin en disant que Apuchu a dit clair et net. Apuchu, que je te dise pourquoi Apuchu ne sera plus jamais avec toi. Apuchu t'a piégé parce que Apuchu savait que toi, Makoso, tu es l'incarnation du satanisme. Toi, Makoso, tu es la représentation de Jézabel. Tu es la représentation de Lucifer. Si on ne te dit pas, laisse-moi te dire ça. Apuchu t'a piégé en te prêtant de l'argent. Il a utilisé ton argent. Tes 1000 euros que Apuchu a prêté, il a utilisé ces 1000 euros-là et il a formaté tes followers avec. Écoute-moi très bien. Peut-être que tu ne connais même pas ce qui s'est passé avec tes 1000 euros. Apuchu, sachant que selon toi, tu es le maître des réseaux sociaux, sachant que toi, tu aimes le leadership, sachant que tu es capable d'entrer partout pour détruire le monde entier, tout simplement parce que tu veux avoir le titre de maître incontesté et incontestable des réseaux sociaux. Tu es capable de faire le vaudou, tu es capable de faire la magie, tu es capable de faire beaucoup de choses pour avoir ce titre-là. Il t'a piégé, il a prêté ton argent. Avec ton argent, il est allé te mystifier. Et la condition des 1000 euros, c'est que Apuchu ne sera plus jamais ni ton ami, ni ton frère, ni ton fils, parce qu'il a fini la mission qu'il avait à faire. Maintenant, Apuchu a 2 ans sur les réseaux sociaux. Apuchu, c'est un enfant, il a à peine 30 ans. Toi, tu as 5 ans sur les réseaux sociaux, tu as, je crois, ou c'est 40 ou 45 ans, je ne sais pas trop, parce que comme vous aimez toujours diminuer vos âges sur les réseaux sociaux, là. Mon frère, pourquoi tu n'acceptes pas que tu es vaincu? C'est difficile d'accepter que Apuchu te dépasse. C'est difficile d'accepter que Apuchu t'a détrôné. C'est difficile d'accepter que Apuchu t'a enlevé la couronne. C'est difficile d'accepter que Apuchu t'a humilié. C'est difficile d'accepter que tu te sens amorti à cause de Apuchu. C'est difficile d'accepter. C'est difficile d'accepter que tu as été humilié aux yeux du monde entier par le petit Apuchu. C'est difficile d'accepter que tu peux monter, former quelqu'un et la personne vient te dépasser. Pourquoi vous ne pouvez pas assumer ce qui se présente là? Pourquoi vous refusez d'assumer? Pourquoi vous refusez d'accepter? Pourquoi vous refusez la vérité? Apuchu t'a vaincu. Apuchu t'a détrôné. Apuchu te dépasse aujourd'hui, demain, après-demain. Apuchu te dépasse. Tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, vous gesticulez sur les réseaux sociaux, vous célébrez les 35 000 vues. C'est Apuchu. Quand il vous appelle, excepté Yaka Yaka, parce que Yaka Yaka, c'est mon ami. Moi, je n'irai pas vraiment Yaka Yaka, sans toutefois blesser ta sensibilité, parce que tu es mon ami. Apuchu vous appelle les brebis égarés, parce que vous méritez le titre de brebis égarés. Et il vous a mis au travail. Et vous êtes en train de travailler.
vous êtes dans le son d'Apoutchou National. Vous êtes en train de travailler au rythme d'Apoutchou National. Aujourd'hui, vous créez la Ligue des blogueurs. L'idée vient de qui? D'Apoutchou National. Aujourd'hui, le comité des blogueurs, l'idée vient de qui? D'Apoutchou National. Toi qui te dis, maître incontesté des réseaux sociaux, tu avais eu cette idée de réunir les blogueurs. Non, tu ne pouvais pas le faire parce que tu avais peur qu'une personne ne vienne te ravir la vedette. Tu avais peur qu'une personne ne vienne te ravir la star. Quand un petit enfant est resté tranquillement dans son coin, il a eu une idée. Il a fait sortir l'idée là. Et il vous a inspiré. Même ça, vous n'acceptez pas que vous avez été inspiré par Apoutchou. Même ça, vous refusez d'accepter que c'est Apoutchou National qui vous a inspiré. C'est difficile d'accepter. Il vous a inspiré. Aujourd'hui, vous avez créé la Ligue des blogueurs. Tous ceux qui auront la carte des blogueurs, leurs pages seront monétisées. Toi, ta page est monétisée. Toi qui aimerais que les pages des blogueurs soient monétisées. Toi, ta page est monétisée. Apoutchou a dit. Peut-être tu n'as pas bien compris. Peut-être quand le français que Apoutchou parle, tu n'entends pas bien. Apoutchou a dit, il ne sera pas avec toi. Il ne sera ni plus jamais avec toi, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Capiché? Le message est passé. Je pense que le message est passé. Il ne sera plus avec vous. Sa mère a dit, parce, je ne veux plus de la famille Makoso. Parce que la famille Makoso s'apprête à te tuer. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Pourquoi vous refusez la défaite? L'amitié est forcée. Le contact est obligé. C'est obligé d'être ami à vous, Apoutchou. Apoutchou est obligé de faire avec vous. Si Apoutchou sent qu'en faisant avec vous, vous allez aspirer son énergie, il sera obligé de faire avec vous. S'il sent qu'en faisant avec vous, vous allez aspirer son étoile, il sera obligé de faire avec vous. S'il sent à un moment donné que sa lumière est menacée, est-ce que Apoutchou sera obligé de faire avec vous? Apprenez à accepter la défaite. Il faut apprendre à accepter la défaite. J'ai parlé jusqu'à ce que j'ai soif. C'est bon? Ouais, ok. Apprenez à accepter la défaite. Toi, Francine, la chaîne de la joie. Je n'ai pas voulu t'appeler en privé parce que j'étais très fâchée de ce que Lawson Créa a fait. On ne fait pas ça entre amis. On ne fait pas les choses comme ça. Je ne peux pas avoir un homme aujourd'hui. J'ai dit à Bibi que je suis allée avoir des rapports sexuels avec un homme ou bien tel homme, peut-être tel follower sur TikTok ou sur Facebook. Je flash sur lui ou je suis foudroyée par son charme. Je n'ai pas dit à Bibi, demain Bibi viendra se mettre sur les réseaux sociaux et dire que, n'est-ce pas, tu es folle amoureuse de X, n'est-ce pas, tu es folle amoureuse de Y. On ne fait pas ça en amitié. On ne fait pas ça. Et en amitié, apprenez aussi qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. On ne dit pas tout entre amis. L'ami n'est pas un membre de ta famille. Tout ce que tu dis à l'ami aujourd'hui représente les armes de guerre que tu donnes à cet ami-là demain. Makoso Camille, laisse Apoutchou tranquille. Je t'aime aussi, Kapanda. Tu m'as fait combien de partages? Je t'aime aussi. J'ai vu Johnny Pacheco. Je vais revenir sur toi. Mon prochain direct de mercredi, je vais un peu m'occuper de toi, Johnny Pacheco, parce que j'ai vu. Tu es en train de perdre la route. Tu perds déjà la raison. Et je vais te dire pourquoi Makoso te fait peur. Parce que tu as dit à Apoutchou, Makoso est plus dangereux que ça. Il est plus dangereux que ça parce que tu es faible. Parce que toi, Johnny Pacheco, tu es faible, tu es une âme faible. Apoutchou est prêt. Apoutchou est prêt. Makoso, où tu es parti entrer là? La secte d'Apoutchou, non. Apoutchou est parti entrer dans une secte qui est 1000 fois plus que ta part. On voit les combats que tu as déjà engagés. Apoutchou est prêt. J'ai dit, Apoutchou a les armes. Il est prêt. Acceptez que Apoutchou vous dépasse. Acceptez que Apoutchou vous a inspiré. Acceptez que Apoutchou a formaté votre cerveau. Acceptez que Apoutchou a éveillé votre conscience en vous amenant à créer la Ligue des blogueurs. Acceptez que tout ce qui viendra aujourd'hui comme Ligue des blogueurs, comme comité des blogueurs, comme rassemblement de blogueurs, comme réunion de blogueurs, comme célébration de blogueurs viendra d'Apoutchou National. C'est vrai que je ne suis pas très d'accord avec Apoutchou. Mais je suis là pour la vérité. J'ai mes problèmes avec Apoutchou National, mais j'aime la vérité. Je suis là pour la franchise. La jalousie ne sert à rien. Je ne suis pas jalouse, je suis vrai.
Je suis sincère. Je ne peux pas être jalouse de Apoutou. Quand Apoutou fait ce qui ne va pas, je mets ma chaise, je viens, je lui dis ce que j'ai à lui dire. Et je ferme ma caméra, je pars. Mais quand ce qui est de la vérité de Apoutou National, je dis ça correctement et bien. Ils ont choisi leur président, Hervije de Milan. Hervije de Milan, c'est une fille qui s'exprime bien. Elle est éloquente, c'est une fille courageuse, c'est une fille dynamique, c'est une fille forte, c'est une fille qui maîtrise les renseignements, c'est une fille qui est capable de rassembler au moins 50 renseignements en une journée, dont leur président n'a pas été mal soigné. Ils ont choisi Francine Balachène de la Joie comme leur conseillère. Pourquoi vous avez mal? C'est-à-dire, c'est comme ça que vous faites le taux d'empoisonnement, ça croît. Une personne lui dit, je ne veux plus marcher avec toi. Apoutou dit, je ne veux plus de toi. Francine Badachène de la Joie dit, on ne veut, je ne veux pas de vous. Jessica dit, on ne vous veut pas. Julien Da dit, je ne suis pas avec vous. Vous obligez les gens à être avec vous. Vous voulez aspirer l'énergie des gens. Vous voulez boire, fermer, utiliser les toits des enfants là pour travailler avec. Parce que Makoso, toi, on te connaît. Tu utilises les toits et l'âme des âmes faibles pour travailler avec. Tu es sur les réseaux sociaux, un papa comme toi, tu n'as même pas honte. Tu fais un direct, tu partages sur 15 pages. Tu as vu, Apoutou n'a partagé sur aucune page. Tu es lâche. Tu es le plus lâche des blogueurs. Je dis, tu es lâche et lâche et lâche et lâche et lâche et relâche encore. Et te dis ça, Makoso Camille. À un moment, foutez le camp à cet enfant. Laissez-le en paix. Il n'a plus besoin de vous. Il s'en fout de vous. Vous avez dit qu'il est un opportuniste. Moi-même, j'ai dit qu'il est ingrat. J'ai dit qu'il est opportuniste. Mais s'il refuse de vous reconnaître, il a été opportuniste, il a su vous exploiter, il a su vous s'en servir. Ce n'est même pas d'abord vous qui avez donné la visibilité. La personne qui a donné la visibilité à Apoutou, c'est Choco Atamiral. Choco Atamiral, c'est lui qui a donné la visibilité à Apoutou. Parce que quand Makoso a perdu sa femme, Choco Atamiral disait la vérité contre Makoso. C'est où Apoutou est venu défendre Makoso. C'est à partir de Choco Altamirano, Apoutou a eu la visibilité. Après avoir eu sa visibilité, il a décidé de se frotter aux grosses têtes des réseaux sociaux, ce qui est normal. Dans chaque chose, il y a un devancier. Ce qui est normal, vous-même, vous êtes frotté aux gens pour avoir la visibilité. Ce qui est normal, à un moment donné, acceptez que vous avez été vaincu. Acceptez que Apoutou, c'est le guide. Acceptez que Apoutou, c'est le grand maître. Acceptez que Apoutou tient le bâton de commandement. Acceptez que Apoutou a le pouvoir des réseaux sociaux. Acceptez, Marcos, qui t'a détrôné. Tu l'as prêté 1000 euros et puis, toi-même, tu n'as pas souvent prêté l'argent aux gens. On peut compter combien de personnes tu es venu au Cameroun, tu as escroqué. Lors des caravanes, des fausses caravanes que tu fais là. On peut compter combien de personnes tu as prêté leur argent au Cameroun, tu n'as pas remboursé. Laissez le petit là tranquille. Johnny Pacheco, mercredi, je suis à toi. Tu vas me dire si tu es politique, si tu fais dans la politique ou si tu es d'ailleurs devenu blogueur pour donner ta page à Makoso et faire un direct pour t'adresser à Apoutou. Donc l'enfant là est au-dessus de vous. Vous tous comme ça, vous vous réunissez comme ça, vous faites le direct sur Apoutou. Mais vous êtes, c'est-à-dire, vous avez perdu la raison ou quoi? Tout le monde, c'est Apoutou. C'est-à-dire, quand vous avez vu la célébration de la fête des Oscars, on lui passait le pouvoir. Et c'est ce pouvoir-là qui vous dérange, et ça vous hante aujourd'hui comme ça. Vous avez vu, on l'a habillé, on lui a donné le bâton de commandement, le bâton du pouvoir, le bâton de l'autorité, le bâton pour vous gouverner. C'est ça qui vous dérange. Moi, je suis une reine. Donc, quand vous venez, enracinez-vous bien avant de venir. Et pour venir vers moi, il faut être prête avant de vous attaquer à moi. Francine Ba, la chaîne de la joie, ma copine. Vraiment, il faut savoir choisir tes amis. Il faut savoir. Je t'avais dit le jour qu'on a parlé, je t'ai dit, je n'aime pas enregistrer les gens et je n'aimerais pas enregistrer les gens parce que moi, je respecte l'amitié. Je t'ai dit ça. Tu m'as démontré que là où son créa était une bonne personne. Et tu avais un amour fou et de la considération pour Lawson Créa. Le fait que Lawson Créa vienne te mettre sur les réseaux sociaux, je n'ai pas aimé. Donc tu me dois de me payer l'amende parce que je n'ai pas aimé. On ne salit pas son ami comme ça. On ne dévoile pas son ami de cette façon. C'est-à-dire, on ne dévoile pas son ami comme ça. Je n'ai pas aimé. Sincèrement, je n'ai pas aimé. Bon, j'ai fini le live. Si vous avez des questions, pardon, vous posez.
Mercredi 20h, page SN Prestige Sexolo. Mercredi, je vais bien danser. Pardon, si vous avez les questions, vous posez. Mercredi, on va parler éjaculation précoce, endurance au lit, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, endurance au lit, bonne qualité du sperme. Sur la page de SN Prestige Sexologue. J'ai pas aimé Francine Ba, vraiment, j'ai pas aimé. Tu n'es pas une femme à salir, tu n'es pas une femme qu'on doit salir n'importe comment. Tu n'es pas une femme à qui on doit manquer du respect. Est-ce que tu te connais même? Parce qu'il paraît que tu ne te connais pas, il paraît que tu ne te vois pas. Il paraît que tu ne sais pas qui tu es. Parce que dans la vie, quand tu ne sais pas qui tu es, c'est dangereux, tu ne peux pas te respecter. Hein? Tu es belle, hein? Tu es une femme d'honneur, tu es une femme classe, hein? Tu es une femme classe. Je ne voudrais plus jamais entendre les saletés comme ça de toi. Les histoires comme ça de toi. Je ne veux plus jamais entendre ça. Sur ce, portez-vous bien. Que tout ce que votre cœur désire, que Dieu vous accorde ça. Gros bisous. Bye bye.